Bonsoir à tous. Alors, j'ai fait aujourd'hui pour vous un message. Votre âme, quel message? Votre âme, pour les 12 signes, j'ai choisi 3, l'oracle et 3 cartes, chaque signe. On commence avec les béliers. Désolé si je prépare avant pour pas long les messages. Alors, le message pour votre âme, alors ça sortir, purification, l'âme, avec la purification, si vous, peut-être vous êtes quelqu'un qui pleure beaucoup, soit vous êtes beaucoup tristesse, besoin de purifier votre âme, qu'elle sente, et la conscience, un changement, les béliers, pour vous. Essayez, écoutez votre intuition, les béliers. La carte de tuition, vous êtes connecté avec votre féminité. Peut-être dans le passé, vous êtes quelqu'un très fragile, l'énergie, faites attention avec vous facilement pleurer, facilement votre âme besoin d'une purification. Et pour écouter votre tuition, vous êtes conscient qu'il y a un grand changement dans votre âme, qu'elle souffre ou soit besoin de libérer les tristesses. Ou les choses qu'elle bloque votre âme, qu'elle a besoin d'exprimer, ou peut-être vous êtes besoin de libérer un changement pour vous. La carte, les changements, écoutez votre intuition, les béliers. Il y a un changement parce que vous êtes triste, ou soit besoin de pleurer pour purifier votre âme, qu'elle a besoin vraiment d'exprimer, exprimer par peut-être la tristesse, ou les choses que vous gardez beaucoup de temps, les béliers, besoin. Vraiment, essayez, écoutez votre intuition. Il y a un grand changement, il y a commencé une transformation, quelque chose qui commence à libérer les tristesses, les béliers. Alors, on commence avec les taureaux, les signes de taureaux. Les signes de taureaux, besoin de confiance. La confiance en soi, d'abord la carte de confiance, peut-être vous ne sentez pas trop confiance en soi. Soit besoin de travailler la confiance, votre âme qu'elle demande la confiance. Soyez confiance, le message que vous recevez, peut-être avec votre âme qu'elle voit beaucoup le message pour trouver une nouvelle énergie, un nouvel départ. Hein. Alors, le message, votre âme qu'elle demande la confiance, prenez soin de vous. Et peut-être vous êtes quelqu'un, une bonne personne, vous êtes peut-être pensé toujours les autres et les réputations dans votre entourage, besoin de libérer le jugement des autres, besoin de sentir bien, vous êtes quelqu'un, une bonne personne, vous êtes une bonne réputation et si vous sentez parfois peur des gens qui jugent ou pas, parfois les jugements, vous libérez les taureaux, vous êtes quelqu'un magnifique, vous êtes quelqu'un qui vivre dans l'amour, la gratitude et continuer comme ça. Vous êtes parfois, vous n'êtes pas confiance les autres, ou soit vous n'êtes pas confiance à votre créativité. Si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup la musique ou danser, votre âme qu'elle donne beaucoup le message, vous êtes quelqu'un bien, à une personne bien. Alors les Gémeaux, vous êtes quelqu'un, commencez libération énergétique, votre âme qu'elle demande, libérez-vous les tristesses, vous libérez les choses que vous êtes gardées longtemps, besoin sentir libre, vous avez besoin à votre âme, liberté, besoin libérer quelque chose qu'elle fait triste. Et les choses que vous êtes besoin d'équilibrer, les choses, le relation avec quelqu'un, un attachement avec un passé ou avec la famille, ou soit une jumelle, votre jumelle, peut-être vous êtes quelqu'un qui connecte avec une jumelle, soit une sœur, soit une âme sœur, qui vous êtes beaucoup besoin d'équilibre dans votre relation sentimentale, ou une relation avec une jumelle, soit une sœur, ou soit quelqu'un qui vous est très taché, besoin d'équilibre, votre âme qu'elle demande, vous n'êtes pas stable dans votre relation avec quelqu'un, ou soit avec une personne, une jumelle, peut-être une sœur, qui besoin d'équilibre.
Vous avez besoin aussi de retourner vers le contact avec les animaux. Et votre âme qui le demande, peut-être vous avez besoin de contacter avec les animaux si vous aimez travailler avec les animaux ou soit vous aimez beaucoup passer le temps avec un animal compagnie ou quelqu'un qui vous aide beaucoup l'amour pour les animaux, peut-être vous, quelqu'un qui veut peut-être travailler avec les animaux, ou soit adopter un animal que vous pensez beaucoup à ça. Besoin peut-être trouver l'amour avec un animal, peut-être compagnie, ou soit c'est vous, vous aimez beaucoup les animaux. Les jumeaux, alors les cancers, votre âme, qu'elle demande les messages, vous sentez beaucoup, vous êtes beaucoup dans vous êtes regretté beaucoup de temps, les souvenirs du passé, combien voix peut-être vous donnez l'amour à quelqu'un, ou soit vous avez besoin d'exprimer votre amour pour quelqu'un qui vous sentez beaucoup regretté dans le passé, à une personne, soit votre famille ou quelqu'un qui vous êtes à beaucoup souvenir à une personne et qui vous aide jamais dire je t'aime. Peut-être c'est quelqu'un dans votre famille ou à une personne qui vous êtes beaucoup amoureuse, vous êtes jamais dire à cette personne je t'aime. Et vous êtes beaucoup regretté qu'est-ce qui a passé dans votre vie et votre âme qu'elle sente qu'elle a besoin de libérer le mal et pour sentir bien parce que vous êtes beaucoup dans le regretté par une relation ou un quelque chose familial qui vous êtes jamais exprimé sentiment pour une personne qui vous êtes souffert beaucoup dans votre jeunesse. Peut-être les parents, soit les parents qui ne sont jamais exprimés les sentiments pour vous, ou soit une personne dans le passé qui vous est arrivée, pas oublier les souffrances du passé, ou soit une relation sentimentale avec quelqu'un dans le passé. Besoin de rencontrer une nouvelle personne, doit libérer le regretté, ou libérer la culpabilité, libérer les peurs. Pour rencontrer un nouvel amour ou pour une nouvelle relation avec les autres ou nouvelles amies. Vous devez oublier les souffrances du passé, les problèmes. Arrivez pas à oublier qu'est-ce qui se passait dans votre jeunesse. C'est quelque chose avec les parents ou avec la famille ou soit quelque chose avec votre jeunesse qui vous êtes manque l'amour et qui vous êtes jamais senti cette personne qui l'a jamais exprimé son sentiment pour vous. Les messages, votre âme qui demande d'oublier les passés et passer l'autre chose et une nouvelle rencontre pour vous, pour trouver votre nouvelle amie ou nouvelle personne ou soit les nouvelles conforts dans votre vie. Vous êtes peut-être dans le passé, vous êtes souffert beaucoup à une situation. Les conseils. Pour les signes de lion, libérez les peurs, votre âme qu'elle demande, libérez les peurs, vous êtes peur de fidélité, vous êtes quelqu'un très fidèle, vous êtes peur de quelqu'un qui ne soit pas fidèle ou les gens. Vous êtes toujours dans la peur, vous êtes pensé beaucoup à la fidélité, soit dans le couple, soit avec une relation qui pensez beaucoup à la fidélité. Besoin de nouvel départ, doit croire à vous, vous arrivez, sortir de cette situation. Si vous êtes difficulté maintenant, montez un obstacle ou à une relation ou à une peur ou à une personne qui vous sentez problème de fidélité, vous sautez un pas, vous faites le premier pas et vous arrivez à sortir de cet obstacle, le signe de lion. Il y a un nouvel départ pour vous, soit nouvel départ, voyez ces deux cartes qui sortent les peurs, vous sautez une peur, vous sautez un problème, soit de fidélité ou soit les peurs. Alors, les signes de vierge, excusez-moi, j'ai cherché. C'est difficile, il y a beaucoup de cartes. Alors, les signes
de vierge, besoin sortir un obstacle ou une séparation, besoin nouvel départ pour vous. Vous sortez un obstacle, vous êtes perdu une situation, vous montez un obstacle pour moi. Votre âme qu'elle voit, votre message, vous êtes beaucoup trop demandé les questions. Vous questionnez beaucoup pour un obstacle ou une situation que vous voulez sortir et que vous êtes dans votre esprit, que pensez beaucoup à ça et besoin prenez la force, besoin retourner dans l'amour et besoin sortir d'une situation que vous êtes très occupé, votre état d'esprit. Vous trouvez votre l'harmonie dans votre vie et votre l'âme qui veut offrir votre esprit. Il y a un changement et beaucoup de questions que vous demandez votre âme qu'elle voit en libération. Les balances, les signes de balance. Vous êtes quelqu'un qu'elle sent peut-être malade ou qu'il sent malaise ou qu'il sent pas bien ou soit parfois vous sentez vous êtes pas beaucoup la chance, peut-être vous êtes perdu beaucoup l'énergie ou besoin de guérir une maladie ou un stress, vous êtes tout trop stressé ou trop angoissé. Pour vous, doit libérer ce stress. Votre âme, qu'elle demande, libérer le stress, que vous sentez perdu quelque chose ou à une chance, que vous ne croyez plus à une chance, à quelque chose, ou soit les peurs. Vous êtes quelqu'un qui a besoin peut-être faire une formation peut-être professionnelle ou soit vous êtes venir ici dans la terre pour apprendre beaucoup de choses et vous êtes peut-être besoin d'apprendre ou soit vous voulez voyager, aller à l'étranger ou soit aller à les gens qui font l'étude à l'étranger ou soit quelqu'un qui veut une formation ou soit quelque chose de l'étranger, qu'il a peur, qu'il a angoissé à cause des maladies ou à cause de cette énergie. Et vous êtes beaucoup la créativité, vous êtes quelqu'un en vue réussite et professionnelle, ou soit pour l'étude, vous êtes quelqu'un en vue faire quelque chose, l'étude supérieure, ou soit aller à l'étranger faire l'étude, ou soit vous êtes peur de cette énergie, ou soit cette maladie qui doit sortir, une maladie ou un problème, peut-être pour partir faire l'étude, votre âme qu'elle voit, vous êtes quelqu'un capable de faire beaucoup de choses, soyez libérer les peurs, l'angoisse, et vous êtes angoissé. Alors les signes de Scorpio, vous êtes dans l'énergie parfois, vous sentez très absorbé l'énergie des autres. Il y a beaucoup de les gens jaloux de vous, ou soit votre entourage, il y a l'énergie qui vous êtes trop observé les pensées des autres, ou l'énergie des autres doit faire. Protégez-vous contre l'énergie. Vous êtes quelqu'un beaucoup la patiente, peut-être professionnelle, ou vous êtes réussite, ou soit parfois vous sentez vraiment comme une éponge. Vous êtes vraiment observé l'énergie des autres, ou soit les gens qu'ils voient les mauvaises pensées de vous, ou soit des jalousies, et que vous sentez fatigué, vous n'êtes pas bien parfois à cause de l'énergie. Vous êtes quelqu'un beaucoup lumineuse, ou quelqu'un peut-être beaucoup de la créativité, quelqu'un protégé. Et malgré vous sentez parfois comme une éponge, je dois protéger vous. Soit vous demandez votre ange gardien qu'il doit protéger vous avec les prières ou avec les anges, soit vous connectez avec la lumière, vous demandez la lumière qu'il fait une protection sur vous, ou soit nettoyer, faire une purification avec lumière, avec une bougie, peut-être allumer une bougie. Ça va aider pour libérer cette énergie qui vous êtes comme une éponge, vous observez l'énergie. Votre âme, qu'elle voit beaucoup les signes par les natures, par le message. Essayez d'écouter les signes que vous recevez, votre âme qu'elle voit beaucoup l'amour, beaucoup qu'elle voit beaucoup les signes par les natures, ou soit vous êtes quelqu'un qui doit sortir beaucoup de nature pour libérer l'énergie négative
ou l'énergie que les gens qu'ils voient par les pensées, par les jalousies, par le qu'ils pensent à vous, peut-être par les jalousies ou quelque chose que vous observez l'énergie. Doit faire attention. Le signe de Sagittaire, besoin battre pour fermer une situation, un conflit avec les autres ou l'énergie qui doit protéger vous, votre âme qu'elle veut vous protéger, votre énergie contre les mauvaises personnes, les mauvaises énergies, les fardeaux. Et peut-être vous êtes trop beaucoup les connaissances. Il y a un fardeau dans votre vie, doit fermer ou fermer une relation toxique ou les gens qu'ils critiquent, les gens malhonnêtes, ou soit c'est les gens qu'ils vraiment énergétiques, mauvaises, qui doivent protéger votre énergie, demander. Les guides ont demandé votre ange gardien qu'elle protège votre âme qu'elle demande fermer une situation toxique ou une relation ou avec les gens négatifs et votre âme qu'elle veille sur vous chaque jour qu'elle veille sur vous pour donner une nouvelle énergie pour sortir une énergie négative ou les pensées négatives ou les gens votre entourage négatif. Elle voit beaucoup, beaucoup les protections, votre âme. Et essayez de sortir d'une situation avec votre entourage ou une relation comme quelqu'un comme une panne pure qui observe votre énergie, besoin de protéger votre énergie. Alors, les conseils pour les signes de Capricorne aussi, c'est l'énergie toxique. Vous êtes tombé dans un piège de pensées négatives ou les gens négatifs, ou soit vous êtes les gens qui sont profités beaucoup de vous, ou soit c'est les gens qui sont négatifs dans votre entourage qui doit libérer et que vous sentez piégé à une situation ou à une énergie qui doit sortir cette énergie toxique. Votre âme, qu'elle veut pas vous sentir coupable, doit monter un obstacle. C'est pas vous, vous sentez parfois coupable à cause de cette relation ou à cause de quelqu'un qui a profité de vous, ou soit vous êtes tombé dans le piège, ou soit vous êtes tombé toujours des gens malhonnêtes ou les gens qui sont profités de vous et vous êtes senti coupable. Votre âme qu'elle demande ne doit pas sentir coupable. Il y a une nouvelle énergie, vous sentez. Mieux équilibrer votre énergie, une nouvelle énergie. Vous restez une nouvelle énergie et votre âme qu'elle demande de libérer les culpabilités, libérer cette pensée négative ou cette gens négatifs dans votre entourage. Alors, les signes de Verseau, besoin libérer. Libérer le blocage intérieur de vous, qui vous sentez bloqué, qui besoin votre âme, qu'elle demande faire un nettoyage, une purification intérieure de vous, qui besoin libérer le blocage. Les blocages, c'est passagère, quelque chose qui doit, dans votre destin, qui doit passer, quelque chose qui doit libérer les peurs, libérer l'angoisse, qui vous sentez très fort. Une chute ou un problème dans votre vie générale que vous sentez bloqué, bloqué intérieur de vous ou soit chez vous, vous sortez pas beaucoup, peut-être vous êtes bloqué, besoin prenez l'air ou peut-être sortir ou soit faire un nettoyage, libérer les blocages de passé, libérer les choses qu'elles bloquent ou c'est quelque chose que vous êtes. Vous n'êtes pas tombé, c'était pour vous une chute qui est arrivée dans votre vie. Vous avez besoin d'aide, votre âme qu'elle demande, demandez l'aide. Si vous demandez l'aide, soit à une personne, soit quelqu'un proche de vous, ou soit vous demandez par les prières, peut-être votre âme qu'elle est là pour vous aider. Pour sortir de ce blocage, parce que votre âme qui sent bloquée, soit bloquée chez vous, que vous ne sortez pas assez, ou soit vous êtes bloqué en situation que vous devez vraiment demander l'aide pour trouver la paix intérieure. Les signes de poisson, vous êtes beaucoup de compassion, vous êtes quelqu'un
qui besoin de communication, besoin de contact avec les autres, ou peut-être le contact ou une nouvelle avec quelqu'un qui vous attendait, et quelqu'un qui peut-être que vous pensez beaucoup à votre âme, qu'elle a besoin de libérer quelque chose dans votre relation sentimentale, il a besoin de lâcher prise un petit peu, que vous pensez beaucoup à votre créativité, besoin d'exprimer. Peut-être quelque chose avec une sœur, vous êtes peut-être difficulté avec une sœur qui a besoin vraiment d'exprimer votre amour pour votre sœur, peut-être une sœur plus jeune comme vous, qui a besoin, votre amour, besoin d'occuper à une sœur peut-être plus jeune comme vous, qui a besoin d'aide, besoin, si elle demande de l'aide, vous êtes quelqu'un qui... Peut-être cette sœur jeune qu'elle a besoin quelqu'un qu'elle veut qu'elle a besoin d'aide de vous pour donner l'amour et pour si elle a un problème doit aider ou soit c'est une relation vraiment que vous sentez beaucoup les connexions avec cette personne qu'elle a besoin de votre aide quelqu'un plus jeune que vous soit une sœur ou soit une amie qu'elle a besoin un problème qu'elle a besoin vraiment d'aide. Vous êtes quelqu'un, peut-être, vous aimez aider les autres, besoin de lâcher prise aussi pour vous, peut-être libérer votre âme, qu'elle a besoin aussi la stabilité dans votre vie, ou soit si à quelqu'un, à une sœur, qu'elle a besoin de votre aide. Qu'elle, peut-être, elle demande l'aide, et vous êtes quelqu'un, beaucoup d'amour donné pour votre famille, ou soit une sœur. Une sœur plus jeune comme vous qui a besoin d'aide, que vous pensez beaucoup à cette personne qu'elle quelqu'un proche de vous. Besoin aussi exprimer les poissons votre créativité professionnelle ou soit si vous êtes beaucoup la patiente dans votre travail vous aidez beaucoup les gens et que chaque fois que quelqu'un qui a besoin l'aide vous êtes toujours là vous êtes toujours le bras ouvert, vous êtes quelqu'un facilement aider les autres. Ou soit vous aidez beaucoup la famille ou une sœur plus jeune comme vous, qu'elle ait toujours besoin de votre aide. Voilà, le message votre âme, et c'est pour le dossier, prenez qu'est-ce qu'elle parle pour vous, si elle ne parle pas, c'est général. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.